Salam alaykoum et bienvenue sur Beautiful Business le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram coach mental et dans ce 59e épisode, je suis en compagnie d'un entrepreneur au parcours atypique et inspirant qui a accepté de venir nous parler de son histoire et de ses expériences pour pourquoi pas vous aider à modéliser son succès. J'ai avec moi Rachid, fondateur d'Ethic Invest. Salam alaykoum Rachid, comment ça va Salam ikram. Et toi. Eh ben écoute, moi je suis très en forme et surtout euh, ravi de t'avoir enfin sur le podcast. Ça fait un moment qu'on essaie de s'organiser ça, donc ça fait plaisir d'y parvenir enfin. Je te remercie, c'est un plaisir partagé. Alhamdulillah, merci d'avoir accepté en tout cas l'invitation. Euh, Rachid, toi et moi, on nous a déjà vus ensemble. On a fait un live euh, qui a été énormément apprécié sur mon compte Instagram. Euh, on s'est rencontrés aussi à l'occasion d'un after work où j'ai pu inviter ma communauté et on a eu notamment l'occasion de se voir avec Mohamed Boclet et d'autres personnes qui évoluent en ligne. C'est un très très bon moment et à la suite de ça, je me suis dit, il faut qu'ils viennent sur le podcast parce que tu as plein de choses à raconter. Ton histoire est hyper inspirante. Et pour celles justement qui ne te connaîtraient pas parce que pas très active sur les réseaux ou Bien, et qui n'ont pas eu l'occasion de venir à cet after-work. Est-ce que tu veux bien te présenter, nous dire qui tu es Avec plaisir. avec plaisir. Euh, alors, je suis, je suis dans l'immobilier. Je suis investisseur dans l'immobilier. Et en fait, euh, mon, mon objectif, c'est d'aider, là au moins, à s'émanciper grâce à l'immobilier. Euh, ça, c'est la partie, on va dire, business. La partie pro, je suis un père de famille comme beaucoup, ou mère de famille. Et je suis... Euh, J'ai trois enfants à la euh, petit, 6 ans, 4 ans et 2 ans. Et, euh, et je suis devenu un sudiste. C'est important pour les gars du Nord. Je suis devenu un sudiste. J'habite <laughs> au soleil. <laughs> et ça, je peux que soulever. Ça, j'aime ce genre de précision entre sudistes aujourd'hui, ma charla et, euh, et après, bah, rien de. Sur ma personnalité, sur moi-même, rien d'exceptionnel. Dans, euh, dans le sens où je suis un fils d'immigré comme il y en a beaucoup en France. Et euh, je ne je, je, je sais pas quoi t'ajouter de plus à part ça. Bah écoute, machin, la modeste présentation. Parle-nous un petit peu plus de ton, de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a mené jusqu'à ouvrir un jour Ethic Invest, qui aujourd'hui rencontre un beau succès Parle-nous un petit peu de, de ton histoire. Comment tu t'es retrouvé là euh, Alors, je peux, je peux aller très loin, mais on va démarrer par la partie, euh, je, je pense, adolescence. Euh, ouais. Moi, j'aimais le business. Et depuis tout petit... J'ai compris que, bah, en fait, travailler, ça allait être très compliqué d'avoir de, de, quoi que ce soit. Euh, parce que je voyais mon père, en fait. Je voyais mon père au travail, je voyais mon père à l'usine, faire les postes, etc., réveiller à 3 heures du matin. Et depuis tout petit, euh, j'ai déjà eu plusieurs fois l'échange-là avec mon père où, où j'ai déjà pu m'en manger une. C'est lui dire que moi, je ne veux pas être salarié, je ne veux pas dépendre d'un patron. Et donc, euh, depuis tout jeune, bah, j'essayais d'entreprendre. Donc à l'époque, euh, c'est ma génération, hein, la génération d'aujourd'hui ne connaît pas ça du tout, mais à l'époque, c'était euh, nettoyer le jardin des voisins, nettoyer les voitures, euh, réparer des petites bricoles, etc. On faisait beaucoup de mécanique avec mon père à l'époque. Et donc, ça m'a ouvert un petit peu les portes de, tu sais, l'auto-entrepreneur. Euh, <laughs> officieux, <rire> mais au moins, on faisait quelque chose. Et au fur et à mesure, en fait, bah, euh, cet état d'esprit de, de vouloir s'émanciper, de vouloir se créer, son propre écosystème, s'est si ancré de plus en plus en moi, malgré que j'ai fait des études. C'est un peu la, la difficulté de notre, on va dire de, de, je pense en tout cas de la partie de la qui... qu'on veut faire plaisir à nos, à nos parents. En tout cas, moi c'était le cas. Donc euh, à la base je ne voulais pas faire de grandes études. Au final j'ai fini avec un, j'ai arrêté au master 1 parce que j'en ai eu marre. Mais j'ai fini au master 1 management et stratégie d'entreprise et euh... Et là, c'est bon. C'était, il fallait que je continue dans mes activités, dans mes créations de business, parce que c'était plus créatif, plus intéressant pour moi, plus passionnant et moins chronophage que de devenir salarié, etc. Euh, mon parcours, euh, mon parcours plutôt pro, ça a été une grosse faillite en 2012. Euh, c'était même pas une faillite euh, réellement business, c'était plutôt personnel, parce qu'en 2012, j'ai vécu euh, un divorce. Et donc, c'était repartir à zéro. Donc, euh, bah, plus rien. Euh, L'image du plus rien, pour ceux qui s peuvent s'y imaginer, c'est plus rien. C'est-à-dire, ah. euh, tu repars de zéro total. Euh, j'ai dormi, dormi chez les gens, j'ai dormi un moment dehors. Euh, je suis reparti à zéro, vraiment à zéro de chez zéro. Alhamdulillah. Et, euh, et après, bah, je me suis relancé et j ai, j ai, on va dire que j'ai voulu. J'ai gardé cet état d'esprit de jeunesse où, ben bah, en fait, on peut que que avancer et que même si là je repartais de zéro parce que la vie faisait que je repartais de zéro, le businessman m'a m'a mis cette épreuve et je l'ai acceptée. Ben bah, je pouvais en fait que avancer, faire les causes et avancer. Et au fur et à mesure, bah, j'en suis arrivé à ce que j'ai aujourd'hui. Alhamdulillah. Alhamdulillah, une histoire très très inspirante. Moi, c'est la deuxième fois que je l'entends et. Et je trouve que tu as vécu pas mal de choses et tu as su rebondir. Et surtout, ce que j'ai bien aimé là dans ce que tu viens de dire, c'est euh, Allah m'a mis une épreuve et je l'ai acceptée. Et, et personnellement, je leur parle beaucoup euh, aux entrepreneurs que j'accompagne euh, bah de l'acceptation et des mérites qu'il y a à accepter. Euh, ce qu'Allah décrète pour nous comme épreuve, euh, parce que euh, derrière, si on sait rebondir après ce qu'il a, qu a décrété pour nous, eh bien il peut se passer des choses extraordinaires, et je trouve que tu en es la preuve, Macharllah, parce que euh, ce qu'on ne précise pas là, dans ta présentation, c'est que tu es quand même assez jeune. Est-ce que tu veux bien nous dire ton âge <laughs> euh, euh, Je vais avoir 34 ans dans quelques, quelques semaines, Macharllah. et toutes ces belles réalisations, donc euh, comme quoi, euh, justement, rentrant un petit peu plus dans le vif du sujet, tu disais que... Euh, cette, euh, cette épreuve, euh, elle t'a finalement un petit peu forgé, elle t'a permis d'apprendre euh, bah, à, à rebondir. Euh, sur le plan mindset, comment est-ce que tu as dû justement. Euh, quels sont les, les trois gros challenges euh, que tu as dû affronter, euh, que tu as dû surmonter pour les dépasser et en être là où tu en es aujourd'hui Je vais, je vais t'apporter une précision si tu me le permets. Yes. J'aime bien clarifier une situation parce que. Mm -hmm. Quand tu es fils ce c'est pas de la victimisation, c'est une réalité. En tout cas, c'est mm -hmm. mon histoire. C'est que nous, Ramadan, c'était pas un mois de l'année. Et ça, les, mm -hmm. les gens en général, ils le comprennent pas parce qu'ils voient ouais, en France. Euh, c'est, ça devrait être plus évident, etc. Plus simple. Dans l'arrêté, non. Nous, nous, avec mon père, en tout cas, on l'a vécu ça. Foyer à lit, euh, difficultés, huissier, etc. Mm -hmm. Et en fait, ça a forgé le mindset. Ça a forgé le mindset et ça a inculqué, en tout cas, dans ma famille, ça nous a inculqué la valeur de l'argent. La valeur du problème. fait que tu es obligé de, 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 de faire des efforts, des sacrifices et mmh. d'aller chercher ton oseille. Il faut okay. pas compter sur le système. En tout cas, c'était notre manière de fonctionner. Oui, donc le, le mindset, il avait déjà commencé à être forgé dans le terreau familial déjà. Donc Alhamdulillah, tu étais déjà à bonne école pour derrière en vouloir, j'ai l'impression. Ben, C'est ça parce que quand tu n'as ouais, rien... Que mmh. bon, euh, tu as, as, as 8-10 ans, es, à l'époque il y avait les anniversaires, etc. Tu, mmh. bah, tu, tu faisais jamais rien, tu n'allais mmh. même pas aux anniversaires parce que ton père n'achetait pas de cadeaux ou tu ne pouvais pas acheter de cadeaux mmh. ou quoi que ce soit en fait parce que tu ne peux pas partir en vacances, tu ne peux rien faire. Euh, tu n'as pas de PlayStation à l'époque, voilà même la balle de foot, tu n'en as pas pour aller jouer au City Stad, il faut que tu attentes sur un copain pour aller jouer au City -state. Bref, des situations que je, je pense qu'on est, on est beaucoup peut-être à avoir vécu, mmh. mais, mais dans mon cas, ce qui était marquant. C'était que nous, au ramadan, c'était vraiment une grosse partie de l'année mmh. et qu'on euh, devait mmh. à un moment, euh, à... entre 14 et 16 ans, avec mon frère, on participait au paiement du loyer. Donc en fait, tu, tu, tu pars de l'idée où il euh, n'y a plus rien et, euh, et là, tu es obligé de, de faire des choses, tu es obligé de, de, de générer de l'argent mmh. pour pouvoir euh, déjà juste subvenir à tes besoins et à ceux de ta famille. Et après, en grandissant petit à petit, tu comprends que bah, tu dois créer tes propres, ton propre écosystème. Et donc, petit à petit, bah, tu te lances et tu commences, comme j'ai dit, des petits trucs comme ça avec les voisins. Tu commences à mmh. faire de plus en plus et, et les okay. voitures, bref, etc. Et jusqu'à quand tu as, as assez de fonds pour grossir très vite. Bah, écoute, merci de le préciser parce qu'effectivement, euh, bah, c'est bien d'en parler. Voilà, c'est la réalité de, de beaucoup de personnes, je pense, encore aujourd'hui. Et, euh, et des fois, les gens, par pudeur, ils n'osent pas en parler. Euh, mais surtout, ce qui est fort là, c'est comment, euh, bah, comment ça t'a forgé, toi. C'est très, 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 très beau à à admirer, de, de voir que très jeune comme ça, euh, tu as compris qu'il fallait faire de l'argent, en fait, il fallait faire de l'argent parce que cette situation n'est pas acceptable ni pour moi ni pour ma famille. Et, et si tu nous parlais justement un petit peu des, des situations qui ont été particulièrement challengeantes dans ta vie d'entrepreneur, parce qu'il me semble que tu en as connu de belles aussi de ce côté-là, euh, les trois plus gros challenges que tu as eu dans ta vie d'entrepreneur, comment, comment aussi, pareil, tu as pu les, les surmonter et, et quel challenge ça t'a permis derrière euh, d'apprendre à cultiver, même si Hamdoulah était déjà parti avec un super bon challenge vu ton histoire de vie déjà personnelle. Euh... Le plus gros, le... bah, il enfin, y en a plusieurs, mais on va... je vais essayer de t'en trouver trois. <laughs> trois, mm -hmm. pas trop longs. Euh... Moi, le tu pourras premier... raconter des pas mal. <laughs> <laughs> bah, à l'époque, moi, je faisais beaucoup de business en dur. Ouais. Et euh, le, le challenge, à un moment, a été que je, je devais apprendre mm -hmm. à garder mes stratégies et ma manière de fonctionner pour moi. Je m'explique. On a une difficulté, nous, là, moins c'est que. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose, bon, en général on va pas essayer de, de faire mieux ou de faire autre autre part, on fait en face. Et ça je l'ai vécu euh, où j'ai ouvert un barbeur. et bah, après tout le monde ouvrait des barbeurs le même style que moi euh, où en fait je faisais les voitures. En fait c'était du copier-coller mais sans il y a une différence entre s'inspirer de quelque chose de quelqu'un et reprendre exactement son modèle. Essayer de euh, par exemple dans les voitures d'aller chercher ses propres fournisseurs parce qu'on les connaît, d'aller euh, voilà et, et, et ça ça a été dur pour moi au début parce que je me disais, mais ce pas possible, je, 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 je travaille dur pour pouvoir réussir à faire ça. Et en fait, mes amis d'enfance ou les gens que je côtoie, une fois que je leur ai partagé ce que je faisais, comment je le faisais ou qu'ils l'ont su, eh ben en fait, ils ont essayé de me... Certains volaient, évidemment, mais copier, etc. Et ça, au niveau mindset, ça a été dur à accepter. Ça a été dur de, de sortir de ce monde de... Je ne veux pas dire de bisounours, mais de ce monde de dire, en fait, on est là tous pour s'aider, s'entraider, s'élever, etc. Et en fait, dans la réalité, ce n'est pas le cas. Euh, ce n'est peut-être pas la meilleure image à donner, mais dans la, dans la réalité, en fait, ce n'était pas le cas. Mmh. La, la, la deuxième, le deuxième élément, le challengeant pour moi, c'était l'administration française. <laughs> parlons-en il fallait bien que quelqu'un nous en parle t'as as, as beaucoup d'éditeurs français je pense que oui oui, oui la oh, plupart français. ce sont des, des okay. français francophones vivant en France ouais. voilà et donc euh, c'est la partie administration française bah, pareil en fait le même procédé c'est que en fait les, les gens m'envoyaient énormément de contrôle dans mes structures et, euh, et en fait j'ai une réflexion de, de, de mon ancien expert comptable qui me disait à trop vouloir faire carré tu euh, tes ongles vont te, te piquer. En fait, les, les, les bouts de, des, des ongles du ouais. carré que tu es en train de faire vont te piquer. Et c'est vraiment... Pas bien, mal en fait. ça, je visualise tellement l'image. C'est énorme. <laughs> c'est bien que, dit. Hein, et là. toi, en fait, tu es, es au début de ton entrepreneuriat. Donc, tu as un business, tu essaies d'être le plus carré, tu déclares tout, tu fais propre, tu fais les papiers, tout, à science. Et en fait, bah, tu as des contrôles. Après, ce que... Ce que... Ça, c'est pas grave, entre parenthèses. Mais... Euh... Le plus challengeant, c'est quand des gens de la haut main ou des, 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 des gens de, de, de connaissance nous envoyaient des contrôles par pure jalousie, par pure envie de faire exposer plutôt leur business que le nôtre pour nous faire couler. Euh, moi, j'ai eu un de mes business en dur qu'on me l'a incendié. On me l'a incendié. Je dormais et j'avais reçu le jour-là… À 3h du matin, je crois que j'avais reçu plus de 250 appels, Messenger, etc. Bon, je dormais, donc je n'ai pas réagi. Et en fait, à 6 heures du matin, quand je me réveille, je, je reçois énormément de photos de, de mes locaux brûlés, de mon, oh. mon barbeur. Et vraiment, je te le dis avec la chair de poule, mais mmh. plus rien quoi c'était un barbecue géant le truc mmh. et en fait c'était tout simplement euh, bah, les gens qui étaient jaloux et qui euh, n'ont pas aimé que qu'un frère hamdulillah puisse faire quelque chose qui marche mmh. Mmh. et que eux ça prenne pas ben bah, en fait euh, au lieu de, 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 de utiliser la concurrence et d'être meilleur que la concurrence en tout cas c'est comme ça que je fonctionne quand quand j'ai la concurrence c'est que c'est bon c'est-à-dire je suis leader de mon marché donc quand on me suit etc c'est que c'est bon et non en fait euh, ils m'ont brûlé et donc là ça ça a été dur ils ça, ouais, vraiment, c ça a été vrai. dur psychologiquement. Ça mm -hmm. a été vraiment très dur. Parce que c'est un moment où je venais de faire faillite. Deux ans après, je lance ça. Et financièrement, j'étais pas du tout au top, très loin de là. Mm -hmm. mais, mais ça a été dur psychologiquement d'avoir, encore une fois, ce retour de, 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 de boomerang de, des gens, de l'humain, qui, au lieu d'avancer de, de, ensemble, avait plus l'état d'esprit de vouloir prendre tout le gâteau et d'écraser, mm -hmm. quoi qu'il arrive, ce que tu fais. Parce qu'ils mmh. considèrent qu'il euh, n'y il a pas d'autre possibilité pour, pour faire mieux que toi que de t'écraser. Mmh. Et à l'heure bah, d'aujourd'hui, c'est assimilé, je ne fonctionne plus de la même manière. Euh, on va dire que j'ai compris le principe de, euh, dans notre religion, qui dit ne parle pas de tes projets. Ah, Donc, subhanallah. Ça, mmh. ça, 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 avec une multitude d'aventures, c'est une leçon qui est très, très actée, tu vois. Ah, il y a des choses qu'on peut comprendre que quand on les vit, et moi personnellement, je sais bien de quoi tu parles là, parce que pareil, pendant des années, ça a été très très compliqué pour moi d'accepter et d'appliquer surtout ce, ce principe, même si je le connaissais. Voilà, Peut-être que je pense qu'on a en commun ce petit côté bisounours aussi, où on, on voit le bien un petit peu partout. Et, et puis finalement, ce là l'entrepreneuriat nous forge, enfin, c'est une école, je dis souvent que c'est une école exceptionnelle, qui éduque comme peu d'écoles, comme peu d'écoles <laughs> de la vie. Donc très intéressant ce que tu dis là et je pense que ça peut servir à, à beaucoup. Et le fait d'avoir compris justement toutes ces choses là, euh, comment ça a changé les choses dans ton activité ou en tout cas dans ta manière d'entreprendre et, et d'aborder l'entrepreneuriat Je suis quelqu'un de transparent et dans ma transparence il y a des choses qui sont négatives qu'il ne faut pas que les gens reproduisent. Mmh. Alors, euh, je me suis renfermé. Subhanallah. Tu vois, je me suis... c'est pas bon pour l'entrepreneur de s'enfermer. Mmh. En fait, au fur et à mesure, je me suis renfermé. et ce qui fait qu'en euh, 2015, 2016, même si je faisais mes business, je faisais les voitures, je faisais euh, voilà, je faisais, je faisais alhamdoulilah, des choses pour générer de l'argent et je voulais plus être salarié, ça m'intéressait pas. Depuis 2012, de toute façon, j'étais plus salarié, j'avais mes propres business, mon propre écosystème. Et, euh, et en fait, je me suis renfer... j'avais plus confiance en l'humain. Ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. C'est parce que c'est ma mission aujourd'hui d'aider la Houma à s'émanciper grâce à, à l'immobilier ou d'autres choses, Tcha'Allah. Mais à l'époque, en tout cas, j'avais eu ce frein de me dire euh, des gens qui venaient me voir hein, dans mes business en dur, buvaient. Parce que, euh, voilà, au, au, à la fin, j'ai su qui c'était. Hein. Euh, qui venaient partager avec moi un café, qui venaient me demander des conseils, que je conseillais, que je mettais en relation avec des gens pour, euh, qui, qui montrent, quoi, en fait, tout simplement. Parce qu'on fait les choses, en tout cas. Pas pour le regard des gens, en fait, ils, ils m'ont brûlé, ils m'ont fait des problèmes, m'ont envoyé des, des, des contrôles, m'ont envoyé des, des sursafs. J'ai été au tribunal, j'ai perdu deux ans. Euh, L'État m'a attaqué personnellement, euh, en plus, à un moment. Donc, euh, et là, en fait, je, je me suis vraiment fermé sur moi-même et, et je me suis mis une barrière avec euh, autrui. C'est-à-dire que quand quelqu'un venait me voir, je ne tendais plus la main. J'avais vraiment ce, ce blocage avec la OMA qui était que euh, non, il, leur attention n'est pas bonne. Leur attention est de me manger, leur attention est de prendre ce que je fais. Leur attention n'est pas euh, celle qui est écrite dans bon le DIN d'avoir ses mains dans la main, de se tenir, d'élever la, la communauté. Parce que malheureusement, j'avais vécu toutes ces choses-là. Mmh. Et, euh, et au fur et à mesure, l'expérience bah, voilà, rentre, la manière de fonctionner change, le mindset se forge, et, euh, on apprend des nouvelles manières de fonctionner, de manière, nouvelles manières d'échanger, mm -hmm. d'analyser le comportement humain, c'est quelque chose que j'aime beaucoup moins. Regardez, mm -hmm. parce qu'une une parole, c'est quelque chose, mais, euh, mais les gestuels, le, 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 ce, que, ce que le corps de, de dégage en termes de... de... Moi, je vais d'expression, d'attitude. De verbale ouais, de, est ouais, sur le, et en le fait, est, verbal, est, etc. Euh, ouais. Moi, moi j'aime énormément ça parce que quelqu'un qui peut me dire oui, je vois que son corps il est en train de me dire non. Donc, c'est next tout de suite. Tu vois, par exemple, quand je fais des partenariats, etc., je fais un next tout de suite juste parce que son corps me fait comprendre que c'est non. Donc je, je, en tout cas, c'est la l'impression que j'ai. Et donc, je m'étais fermé, tu vois. Et même. Euh, et donc, quand je. Bah, par exemple, quand je, 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 je m'étais. Euh, on va dire que. J'ai fait plusieurs fois l'erreur là. C'est mmh. qu'après, quand je, je, je me suis remis dans le business, parce que je, je fais de l'immobilier depuis fin 2015 à peu près, mmh. j'accompagne des gens depuis après 2017. Mmh. Euh, et après, un moment, en fait, j'ai voulu m'associer. En fait, on est venu me chercher pour m'associer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, euh, je me suis associé. Et là, mon barbecue, j'ai une femme, j'ai une reine qui est incroyable, c'est qu'elle ne le sentait pas. Et, euh, et moi, je, vu que je m'étais. Ah, c'est le sixième sens des femmes. <laughs> c'est <c> impressionnant, <laughs> tu vois. Et moi, je, vu que je m'étais extrêmement fermé, j'étais devenu. Euh, Vraiment un loup solitaire. J'étais déjà un loup solitaire, mais là, j'étais devenu vraiment un gros loup solitaire. Ben là, j'ai essayé de me rouvrir. Donc, j'ai essayé d'aller vers les autres. Et donc, j'ai sauté quelques verrous et quelques poids de contrôle. Et ma femme me disait, « Non, ça, ça sent pas bon, la personne-là, ça ne voilà, va pas, ça n'ira pas, etc. Mm » -hmm. Et machallah c'est ce sens qu'ont les femmes, en tout cas la mienne, euh, mm -hmm. par rapport à leur mari que nous on ne voit pas, parce que, en tout cas, dans l'autre sens aussi, ça marche. Hein. Mais dans mon cas, moi, à ce moment-là, je ne le voyais pas, parce que je suis à fond dedans, parce qu'on rigole bien, parce que euh, ça démarre énormément bien, etc. Alhamdoulilah. et ben on ne voit pas en fait le, vraiment l'attention la, des gens, etc. Et donc j'ai fait la deuxième erreur. Ça a fini en catastrophe. Alhamdoulilah, on a sauvé les meubles. Et, euh, et aujourd'hui, non, je, je me suis mis un protocole de, pour m'associer. Par exemple, là, on, on m'a contacté récemment pour faire des, des, des associations au Maroc, la construction, etc. Ben, ouvrir des agences, ben les, les personnes, en fait, j'ai mis un protocole en place pour les associations, ben, c'est refus catégorique, parce que les cases ne, ne sont pas ouvertes, donc c'est next, tu vois. Et petit ouais. à petit, ben, le loup s'ouvre un peu, mais mmh. avec des conditions et un protocole très sévère. ouais et surtout, tu prends en compte l'avis de madame, du coup, parce qu'elle a du flair quand même. Ben, en fait, <laughs> ce qui est incroyable, en toute transparence, ouais. euh, je ne demande pas trop de l'avis de madame. ouais mais en fait, bah, comme, comme tout entrepreneur, des fois, tu es au mmh. téléphone, il euh, euh, bah, y, y a tes enfants à côté, ou euh, mmh. où ils entendent quelque chose, etc. Bien ou sûr, un sûr. échange avec quelqu'un physiquement. Et euh, donc, quand je lui demande son avis, elle me le donne ouvertement, parce qu'elle connaît les... tout le contexte. Mmh. Et des fois, en fait, bah, il suffit juste qu'une que phrase, un son de cloche. Je vais te raconter une anecdote, si tu me le permets. Vas-y, je t'en prie, j'aime les épisodes. J'ai un élève que j'ai accompagné en 2000... 2020 dans l'immobilier. En six mois, il a acheté. Euh, alors, quand je l'ai accompagné, il venait d'acheter un bien. C'était une boucherie. Donc, on l'a optimisé. Et, euh, et on est passé d'une opération où il gagnait 100, 200 euros à euh, quasiment 1 euh, je sais plus, c'était 200 ou 1 400 euros net dans sa poche. Et en parallèle, on, il a fait une deuxième opération et on a été soulever, euh, faire un tour de table autour de lui avec mon, avec mon process. Et en quatre jours, il a soulevé 110 000 euros. C'est un jour où il entend le podcast, et il se reconnaîtra. Inch'Allah. En fait, euh, cette personne venait souvent vers moi pour mes procès sur l'accompagnement, ce business en ligne, comment tu fais, qu'est-ce que tu fais, quelle structure, quel logiciel tu utilises pour ton espace membre, etc. Et, euh, et vu qu'en fait, c'était devenu un ami, euh, parce qu'en tout cas, j'essaye d'avoir cette relation avec euh, mes clients à la fin du processus, de garder un vrai contact avec eux et pas juste business avec certains. Euh, bah, ma femme, tu vois le contexte là que je t'ai dit, elle a juste entendu des échanges Jamais eu de, de, de vrais conseils ou quoi que ce soit, juste des échanges. Et Subhanallah, en fait, là, cette personne, la manière dont il parle, comment il parle et comment il fait, il est en, il est en train d'essayer de te copier. Et c'est exactement ce qu'il était en train de faire. Ah, c'est un grand classique, ça, dans ce milieu-là, Subhanallah. Bah, ouais, mais moi, moi, honnêtement, moi, ça me dérange pas, il crame, tu vois, sincèrement. Mm -hmm. Ça me dérange pas tant que la personne de mm me -hmm. voir me dire, Rachid, je veux faire la même chose que toi, je veux apporter une solution de plus à la humain, est-ce que tu peux m'aider mm -hmm. euh, Avec plaisir, parce qu'on ne va pas faire la même chose. On n'a pas la même expérience, on n'a pas même le même Bien sûr. Tu n'es pas moi, je suis pas toi. Ouais. Et on ne cache pas les mêmes choses, les gens ne ressentent mm -hmm. pas de la même manière, etc. Donc euh, évidemment, on vient hein, que le gâteau il sera plus gros et on le partagera, mm -hmm. et même on s'entraide, parce que mm -hmm. moi, je ne suis pas contre l'association, comme je le disais, mm -hmm. avec un certain protocole, pour qu'on amène une solution, mais la, la plus quali, la meilleure, là au moins. Mais là, tout faire dans mon dos, et, et, et bah, il crame, le monde-là, il est très petit. Hein. Donc les gens se parlent. Et, euh, et au final, j'ai des gens qui m'appellent et me disent Ouais, bah, il ouais, y, y a un tel, euh, tu sais, en fait, tu, tu as de plus en plus de monde qui vient sur ta niche, il euh, y a un tel qui, veut faire, qui nous a contacté pour faire des tunnels, pour faire son, son espace, pour machin. Ah, ben, bah, ouais, bah, c'est mon ancien client. Et donc, euh, bah, ça a confirmé l'intuition la, la, de madame. Et mmh, bah, encore une fois <laughs> encore une fois tu vois donc là tu coupes court et euh, ça c'est en 2020 2020 2021 et là tu coupes court et là après bah, tu, tu crées encore un protocole encore un peu plus sévère tu vois malheureusement ceux qui arrivent à la fin bah, le protocole il est ultra sévère mais au moins quand, quand je travaille avec cette personne que ce soit en partenariat mmh. ou en, en prestataire mmh. bah, normalement ça peut que bien se passer parce que c'est carré pour elle c'est carré pour moi mmh. et elle connaît mes intentions et je connais ses intentions Ouais, c'est casse-gueule ce genre de choses effectivement quand, quand c'est pas hyper cadré et j'en sais quelque chose aussi et je pense que tous les entrepreneurs ont besoin de le comprendre et ont besoin de le vivre la plupart du temps il faut le vivre pour comprendre ce genre de choses parce que ben, on, comme je dis on n'arrive pas au monde en étant très euh, méfiant vis-à-vis -vis de l'humain sauf si on a eu des expériences de vie voilà où on a grandi euh, dans un cadre où nos parents se sont souvent fait trahir etc. Normalement tu arrives tu es plutôt naïf entre guillemets ou en tout cas tu, tu penses le bien des gens et puis petit à petit c'est l'expérience qui, euh, qui te fait justement ajouter ces fameuses cases comme tu dis ces, ces fameux protocoles où, ou derrière, tu, tu, tu sécurises la chose pour pas vivre ce genre d'expérience. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, et, euh, et t as dit, tu t as dit deux choses, tu as dit euh, que, que c'était dangereux pour l'entrepreneur de rester tout seul, et je suis complètement d'accord avec ça. Et d'ailleurs, Machallah, avec ce que tu as vécu et ce que tu nous expliques là, euh, je me dis, je suis quand même assez surprise parce que bah, du coup, c'est toi qui as proposé notamment l'afterwork à, à Montpellier, parce que du coup, on n'était pas très loin, tu as proposé de se faire un, un afterwork. Là, je crois que tu es du côté de Metz, tu proposais euh, pareil un café ensemble à, à, avec les gens qui, qui te suivent. Je trouve que pour quelqu'un qui a vécu quand même beaucoup d'expériences comme ça, euh, bah, c'est déceptive, euh, t'as pas de mal, machin là à aller vers les autres. Et euh, aujourd'hui, j'ai l'impression que faire du réseau pour toi, c'est plutôt facile. Et tu vois, on se douterait même pas que tu as vécu des choses euh, qui, qui, qui t'ont complètement amené à un moment donné à te refermer sur toi. Si, surtout si aujourd'hui, et, et si tu es une personne pour qui le réseau est important, pour qui euh, connecter aux autres, c'est important, tu vois. Donc, machin là c'est que tu l'as dépassé. En tout cas, moi, c'est ce que ça me montre, parce que de l'extérieur, je me serais douté de rien. Et puis, le deuxième point, c'est... La consultation. Euh, nous, on a, on a une sourate dans le Coran qui s'appelle la sourate de, de la consultation. Et d'ailleurs, on a aussi la prière de la consultation. Euh, mais la consultation, Shura, en, en, dans le Coran, ce à quoi ça nous renvoie, c'est l'idée que les croyants, entre eux, doivent se concerter. Ils doivent se demander des conseils par rapport à leurs affaires mutuelles et respectives et euh, s'en joindre justement de, de le bien, se, se donner de bons conseils pour s'aider à s'élever, pour s'aider à, à, à faire les bons choix, parce que euh, euh, le cerveau collectif, c'est une bonne chose dans notre digne et surtout le cerveau collectif des croyants. Euh, donc pour moi, c'est quelque chose que, tu vois, j'ai souvent, pour ma part, marché, tu vois, t'es baissé sans forcément euh, consulter parce que j'ai bien aimé n'en euh, euh, faire qu'à ma tête. Voilà, personnellement, c'est mon profil. Euh, et tu vois, ça, c'est l'entrepreneuriat. Qui m'a appris, appris que euh, c'est très important de toujours concerter autour de soi les gens qui te veulent du bien, les gens qui partagent ton éthique, qui partagent ta crainte dans d'Allah, afin que bah, tu puisses faire le bon choix. Parce que, en islam, on concerte notre Créateur toujours en premier euh, et derrière, on consulte aussi les gens qui nous veulent du bien et, euh, et qui, qui partagent notre croyance. Et, et je trouve qu'effectivement avec ta femme machin là, vous formez un, un beau binôme sur ça et je pense qu'aujourd'hui bah, tu es encore plus enclin à l'écouter avec facilité parce que tu sais qu'aujourd'hui machin là, elle ressent bien les choses et tu dis que dans l'inverse dans, 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 dans était vrai aussi c'est-à-dire que quand c'est son cas à elle tu ressens aussi les choses et je pense que c'est aussi un des bienfaits du mariage, c'est qu'on est là aussi pour se conseiller le bien, pour se, pour se faire des mises en garde, parce que parfois, comme tu dis, on est tellement emballé, surtout nous les entrepreneurs, hein. faut nous voir quand on est super excité <laughs> par une idée, <laughs> par un partenariat, on se dit ça y est, là c'est sûr, j'ai un truc, c'est trop bien, blabla, et on s'emballe très vite. Et heureusement, qu'alhamdulillah nous donne un entourage qui nous dit, eh oh, redescends ton nuage là, parce que tu fantasmes complètement le truc, euh, tu le fantasmes tellement que tu vois pas que il y a un tel qui est, qui est bizarre, qui a ceci, qui a cela, qui va pas. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. Et euh, franchement, moi, si je dois saluer quelque chose te concernant, c'est ouais ta capacité à connecter. Euh, je trouve que peut-être quoi, effectivement, à un moment donné de ta vie, là, Ouma, tu la crains et tu t'en es peut-être un petit peu méfié. À ce jour, je trouve que ton implication, elle est très très belle à voir sur les réseaux. Euh, je vois comment tu comment tu fais en sorte de là où tu es, en plus là où tu te poses, machin là, où tu te poses. S'il y a quelqu'un qui veut aller boire un café, qui veut discuter entrepreneuriat, investissement immobilier ou juste se voir en fait. Et là, Ouma, en fait, c'est ça. Penser à la Jamara, penser de temps en temps à se réunir et pas une fois par semaine uniquement au Jamara. Quand, quand c'est joumorin, euh, mais en dehors de ça, avoir des occasions de se rencontrer, de discuter, de s'aider, euh, de voir ce que font les uns et les autres. Euh, moi, je te dis, j'ai apprécié l'initiative que tu as eu à Montpellier parce que tu vois, moi, ce pas des initiatives naturelles. Et je me dis, bah, handoula, qu'il y ait des gens comme ça qui le font. Et quand on entend ton histoire, on se dit, bah, tu vois, on salue encore plus l'effort parce que ça ne se voit vraiment pas, ce là. Je te remercie. Je te remercie. Et je, je vais partager un, un élément. Mm -hmm. euh, je je l'ai partagé avec un frère dans son podcast. Mm -hmm. Bah, tu vas te le dire, le mariage. Pour moi, il est important le mariage. Pour moi, mmh. le mariage, bah, c'est la moitié du team. On ne va pas rentrer dedans. Euh, et en fait, dans ta vie euh, de tous les jours, c'est primordial. Mmh. Mais dans l'entrepreneuriat, pour moi, c'est on est associé. Tu vois, Bien euh, sûr. ma femme, clairement, je, je, est, on est associé. C'est euh, parce que pas, par moment, bah, automatiquement, hein, la, la vie de famille, ses activités à elle, etc. Et, et je lui rappelle que, bah, en fait, on est associé. C'est n'y si avait pas elle, il bah, y a certaines choses que je ne pourrais pas faire. Et réciproquement. Donc euh, on avance main dans la main. Et ça, les gens en général, ils ne comprennent pas dans le mariage. Alors que euh, si tu choisis le bon partenaire, en tout cas, je vous le souhaite, euh, vous êtes censé vous élever et pas avoir euh, des blocages ou, euh, ou des frustrations ou des... des, 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 des... aucune communication avec l'autre. C'est la petite parenthèse que je voulais apporter parce que pour moi, c'est primordial que euh, surtout dans la nouvelle génération définissent son mariage avant d'aller plus loin, parce que ayant déjà eu un divorce, j'aimerais éviter au maximum de frères et sœurs à se séparer parce que dès le départ, ils n'ont pas eu un échange clair et précis sur ce qu'ils veulent faire. Machala. Très très bien de le préciser, ça aussi, parce que c'est du coup, en plus des expériences de vie pro, tu as eu des, des belles expériences aussi à titre perso. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, le mariage, bon, est, il n'est plus tout à fait ce qu'il était. Quand la réforme l'a haut main sur ça, parce que moi, bon, il y a quelque chose de très symptomatique et révélateur. Mais je pense que ce qui se passe dans les couples est aussi à l'image de ce qui se passe dans la société. Et, et le, là où est le drame, c'est que euh, c'est les familles qui constituent la société, et à la base des familles, il y a un couple, en fait. Et, et si le couple n'est pas effectivement dans cette idée de, de s'associer pour s'enjoindre le bien mutuellement, pour s'élever l'un l'autre et, et pour élever aussi la houma de manière générale parce qu'on a aussi une responsabilité collective. Euh, ouais, c'est plutôt inquiétant. Donc, euh, merci de, de le préciser parce que c'est vrai que ça fait partie de ton histoire de vie personnelle et, et je pense que, ouais, ton, pareil, cette épreuve personnelle, elle t'a permis derrière d'aller chercher, euh, d'aller trouver, machin quelqu'un qui, qui convient encore davantage à, à ton projet de vie et, et beau partenariat en tout cas. Ça donne envie, machin Alors, parle-nous un petit peu... Euh, d'une leçon, une leçon en particulier, tu vois, que ton expérience de, de vie en, en tant qu'entrepreneur ou personnel t'a appris et que tu aurais aimé avoir beaucoup plus tôt, tu vois, si tu veux nous faire gagner du temps, là, celle qui nous écoute surtout, tu vois, euh, une expérience qui t'aurait permis peut-être il y a cinq ans, par exemple, d'aller beaucoup plus vite, d'avoir des résultats beaucoup plus vite ou en tout cas de t'éviter certains pièges de l'entrepreneuriat, ça aurait été laquelle cette leçon à laquelle tu penses Moi, j'en vois qu'une. Et que ouais. je répète tout le temps, et je pense que tu dois aussi, bah, je sais que je le répète aussi, mm -hmm. ça va paraître tellement bateau, mais pourtant c'est tellement puissant. Mm -hmm. C'est d'investir en soi et de faire le cause ultra cool. C'est quelque chose mm. que je ne faisais pas moi, tu vois. C'est euh, quelque chose où moi, bah, déjà à mon époque, je prends le cas de l'immobilier, ça n'existait pas en 2015-2016, mm. euh, des accompagnements, etc. Surtout pour la Oumar. alors là, on est, encore, on est encore plus loin. Ouais, c'est et, euh, et en fait, ben, j'avais aussi cet ego cette, cette surdimensionné, non mais je vais, je vais me débrouiller tout seul, je vais, je vais aller la tête la première, etc. Et au final, s'il fallait revenir ben, cinq ans un, un peu plus dans mon cas, mais j'aurais pris Rachid, j'aurais dit, alors attends, avant de faire quoi que ce soit, achète le maximum de livres sur le domaine que tu aimes, focalise-toi le maximum dessus, lis, pratique à fond, et après passe à l'action parce que ça va te faire permettre d'éviter énormément d'erreurs et, euh, et de scaler le plus rapidement possible. Tu vois Donc, euh, toujours la même chose pour moi, c'est faire les causes, tu vois, cool, et ça passe par investir en soi. Passe par investir en soi parce que euh, je le dis à, aux gens que je suis en ligne qui déposent une candidature ou même euh, en MP. Et en mm -hmm. fait, si déjà toi, tu ne crois pas en ton projet, personne ne va croire à ta place en fait est-ce Est que tu crois que moi je vais venir et je vais te payer une formation en un accompagnement je vais te prêter 100 000 euros pour acheter un bien mais jamais de la vie parce que même toi déjà tu ne crois pas parce que même toi tu fais pas les causes tu fais pas le nécessaire pour mmh. avancer donc, ce n'est pas mmh. moi un, un, une personne de l'extérieur qui va venir miser sur toi. Ça, c'est dans les films, ça. Dans les films américains. <rire> 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 tu vois, t'as as une bonne bouille, euh, voilà, tu es au bon endroit au bon moment, genre c'est la chance, on sait que ça n'existe pas. Mmh. Donc euh, c'est et là, comme par hasard, quelqu'un va investir en toi des millions. Non, dans la réalité, c'est soit tu te lèves ton canapé et tu te donnes les moyens, et Naturel euh, et, euh, bah, tu fera le reste. Soit euh, reste sur ton canapé, mais demande rien à personne, parce que rien ne changera autour de toi si toi-même tu fais pas les causes. Oui, puis ce que plus, plus, fait plus, en il y a islam, on n'est pas la communauté de « je demande, je demande, il n'y a rien qui est gratuit, hein, est, on va chercher les choses ». Euh, D'abord, on les demande à l'aspect là et ensuite, on se bouge nous-mêmes pour obtenir les choses. Et effectivement, euh, moi, là où je te, je te rejoins, tu vois, sur investir en soi, c'est effectivement investir dans les qualités intérieures, notamment, qui vont te permettre de faire les bons choix euh, dans, 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 dans le domaine dans lequel tu choisis de t'investir. Et euh, effectivement, tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'il y en a qui te disent, j'ai pas les moyens d'investir. On a tous les moyens de s'acheter euh, des petits bouquins, voilà à minima, voilà comme tu dis. Euh, à l'époque, ça n'existait pas, euh, les accompagnements, donc il y aurait peut-être eu personne pour t'accompagner sur ce projet-là. mais acheter des livres, c'est à la portée de tous. Aujourd'hui, il y a YouTube. YouTube est une mine d'or d'informations. Maintenant, la seule différence, euh, c'est que euh, avec les bouquins et YouTube, tu vas passer un temps faux. Euh, là où aujourd'hui, comme il y a des accompagnements, bah, ça fait gagner un temps précieux. Donc, c'est ça qui est bien c'est qu'aujourd'hui, tu profites de personnes qui sont expérimentées, qui, elles, ont avalé déjà les livres et surtout ont, ont l'expérience du terrain. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est compliqué d'entendre euh, que, euh, que voilà, je ne peux pas investir sur moi, je n'ai pas les moyens. Euh, non, on a tous les moyens de se payer des livres on a tous les moyens de, euh, de regarder des vidéos sur YouTube à minima on a tous des smartphones à ce jour. Euh, Franchement, il y a moyen de se former et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pareil, fait partie du bon sens. Tu vois, en islam, euh, l'islam, euh, c'est pour les doués d'intelligence et quand on est un petit peu intelligent, ben on se renseigne sur le terrain qu'on veut, qu veut emprunter, que ce soit le terrain du mariage, de la parentalité, celui de l'entrepreneuriat. Euh, qu'est-ce que dit notre digne là-dessus Voilà, ça c'est aussi un, un réflexe qu'il faut acquérir. Euh, c'est quoi, quoi les interdits dans ce domaine-là Que j'aille pas m'aventurer dans des trucs casse-gueule ou derrière, je vais encourir la colère dans donc déjà, ne serait-ce que, euh, tu vois, avoir cette curiosité d'esprit de se dire, euh, qu'est-ce que dit notre religion là-dessus Et ensuite, derrière, Qu'est-ce qui a déjà été fait là-dessus euh, Et puis euh, je me documente, euh, je euh, j'accepte d'apprendre sans cesse. Voilà, on est la religion de l'apprentissage, on est la religion de, de, du livre, et on doit sans cesse avoir cette curiosité d'esprit. Et en tant qu'entrepreneur, je pense que tu me confirmeras que ça ne s'arrête jamais. On investit constamment en nous-mêmes. Toujours, 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 nous. parce que la vie, c'est un, une formation continue. Mmh. Euh, on ne s'arrête pas d'apprendre euh, parce qu'on sort d'un master ou quoi que ce soit. Non, mmh. non, on ne s'assoit pas sur ces mmh. Et euh, je vais aller plus loin, si tu me le permets. Mmh. Là, tout à l'heure, tu as partagé le petits, euh, petits événement qu'on a fait. Abdullah. Et merci d'être venu encore une fois. C'était super. Mmh. Euh, mais tu vois, l'idée de, de faire des petits kawa mmh. euh, un peu partout quand je me déplace. Mmh. Les, les gens, je leur dis mais là c'est gratuit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. En ouais, fait, en plus. On est, on est assis ensemble pendant une heure, deux heures, ouais. trois heures. Mm -hmm. C'est gratuit parce que je réponds tout de suite à tout ce que tu as besoin. C'est-à-dire, ouais. c'est on est en direct ensemble. Ouais, et, et moi, à l'époque, en 2000, mm -hmm. 2019, 2020, mm -hmm. je faisais beaucoup de séminaires, surtout business. Mm -hmm. Et, euh, et les gens que je rencontrais, en fait, ils organisaient des soirées ou des after work, donc mm -hmm. une pause Kawa à tes frais, mm -hmm. euh, et ils te faisaient payer euh, 20, 30, 50 euros la tête. Et on mais était ouais. entre 30 Moi, et Moi, je connaissais 50 que personnes. ça, perso. Je ne ah, connaissais oui. pas, tu vois, les trucs sympas comme ça offerts en plus par la maison. <laughs> tu vois, il n'y avait rien, tu vois. Et, et là, quand je dis à la moins, mais imagine-toi juste là, juste ça. Mm. Juste ça, le fait de. Tu, tu, tu sais qu'il y a, y a, y a quelqu'un que tu suis, que voilà, on va dire. Il, 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 il peut t'aider juste à travers un échange ou casser mm -hmm. des croyances. Je parle même pas de te faire accompagner déjà. Ça, c'est la deuxième étape. Il faut, mm -hmm. faut que tu sois prêt à investir en toi mm -hmm. et tu sois coachable. Mm -hmm. et là, mm -hmm. Mais juste là, déjà, juste le fait de te déplacer mm -hmm. euh, et de venir sur place et, euh, et d'échanger, de rencontrer des gens, sortir de ta bulle, parce qu'en général, dans ton monde, il bah, n'y a personne, Qu'est-ce que soit le domaine que tu veux faire, autour de toi, en général, il n'y a personne qui le fait ou très peu de monde ou qui, qui le fait font mal. Hein. Tu vois, alors que là, quand tu sors de ta bulle, bah, tu vas rencontrer des fois. Euh, tu as rencontré des gens qui sont de ton secteur, à 30 mmh. minutes en général, qui, qui font ce que tu veux faire ou qui, vont, qui sont en train de le faire, avec qui tu ouais. peux créer du lien et avoir, comme on a dit, djemahou, euh, échanger ensemble, s'entraider. Ouais. C'est déjà une première étape, Chana. Ben ouais c'est ça. c'est ça Mais tu sais, le, 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 moi, ça me fait penser au goût de l'effort, en fait, dans la hommage, à la sensation qu'on a perdu ce goût de l'effort, alors que ça fait partie de notre héritage. Euh, tu vois, tout de suite, ça m'a évoqué quoi, l'histoire de Moussa, alayhi quand, euh, quand il va à la rencontre d'El Khidr, il s'est donné du mal pour aller vers celui qui avait, l'homme qui avait le plus de science que lui sur cette terre à ce moment-là. Euh, il n'a pas, pas rechigné à la tâche. Il est allé, il s'est rendu, il s'est donné le mal pour se déplacer. La science, il faut aller la chercher. Exactement. Le savoir, il faut aller le chercher. Le réseau, il faut aller le chercher. Le risque, de manière générale, c'est quelque chose qui descend sur nous, mais qu'on va chercher avec des efforts, avec des efforts d'investissement en temps. Là, en l'occurrence, étant donné ça coûte 0 euro, parce que ça te coûte, c'est de te déplacer au lieu de passer ta soirée sur Netflix. Et c'est ce que je disais d'ailleurs le lendemain. Euh, voilà, on aurait pu être beaucoup plus nombreux que ça, je pense. Mais certains vont préféré aller faire un resto, un Netflix, un ciné, j'en sais rien, plutôt que de venir connecter avec la Ouma, alors que là, tu as l'occasion de connecter avec tes frères et sœurs Deuxièmement, c'est gratuit. Donc, en plus, ça te coûte 0 euro. Peut-être l'essence que tu vas dépenser pour venir te rendre à l'événement. Mais aujourd'hui, il y a plein de moyens pour aller faire du covoiturage, des choses comme ça. Là aussi, tu peux minimiser tes coûts. Donc, c'est ce que je dis souvent c'est quel renoncement que vous êtes prêt à faire en fait pour y arriver c'est quel renoncement que vous êtes prêt à faire c'est quel investissement en temps en argent euh, quel sacrifice vous êtes prêt à faire pour voir votre vie changer et, et dans le cas qu'on a fait à Montpellier là mmh. euh, tu rencontres des entrepreneurs que tu ne côtoies pas en temps normal mais oui, tu n'as pas l'occasion parce qu'en ah, plus, la plupart, et... on est en ligne, donc chacun ben est hein. chez soi. C'est ça. Euh, on n'est jamais au dehors en même, au même moment, donc c'est très difficile de se croiser. Et Alhamdoulilah, il y avait du beau bon monde et, et, et des personnes impressionnantes de tout parcours, tout âge. Tu te dis, mais où je les aurais croisés Parce qu'on n'a pas du tout le même cercle, on ne vient pas du même milieu. Euh, ça aurait été difficile de se croiser. Et ce soir on, on s'est tous fait, je pense, de, de belles rencontres ce soir-là. Ben, c'est mmh. ben ça. Et là, c'est pareil, quand je le fais à Metz ou Luxembourg ou autre, mmh. ben, c'est pareil. Des fois, c'est des gens inconnus en ligne. Mmh. Ils font du, ils sont ils sont ils font de l'entrepreneuriat, que ce soit dans Aussi. le dur ou même des fois en ligne, comme on a vu c'est à Montpellier une personne qui est en ligne mais que son nom il résonne nulle part parce que ouais, tu il un un en avant, voilà, tu est incognito voilà c'est des gens ouais c'est tu... mais ouais. c'est quelqu'un que tu peux croiser ou quoi que ce soit tu dirais même pas qu'il est en place à qu'il qui incroyable. fait telle chose ouais. qui peut t'aider ouais. à ce caler à faire telle chose et juste parce que tu es sorti de ta bulle et que ouais. pour une fois tu pas resté à attendre que ça se passe ouais. mais inchallah et je pense que ça va venir en tout cas regarde quand on était là pendant le, la soirée à, Mont ouais. à Montpellier comme ouais. ici ouais il y a des jeunes qui ont fait une heure et demie, deux heures de route pour venir et c'est la nouvelle génération, là mobile. C'est ça. Alors mobile, il y a ans, je crois le plus jeune, tu vois. C'est ça. voir, ouais, machin Écoutez, prenez-en de la graine, celle qui nous écoute voilà, il y a, des gens comme Rachid. Je pense que c'est pas le seul, certes. Ben moi, j'ai été assez frappé par ton cas, à toi, parce que. je pense que la plupart, tu vois, qui sont sur Montpellier, on n'aurait pas eu l'idée de dire comme ça, venez, on va se faire un un atelier, venez, on va se faire un truc. Et toi, machin là, as été là, tu l'as proposé et hop, on a passé une super bonne soirée. Et surtout, je pense que pour pas mal, ça a été des opportunités que derrière, ben, certains vont saisir ou non, mais quoi qu'il en soit, il voilà, y a quand même des choses, on est reparti avec euh, Voilà, tu es venu, tu as donné une, deux heures de ton temps, tu as donné, tu as reçu, et tu repars avec des, des idées, tu repars avec de, du réseau. Euh, donc euh, voilà, moi je, là, je, je, je dis franchement, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus pour vous que des cafés offerts comme ça. Venez, rencontrez-nous, rencontrez-vous et ouvrez-vous des portes cependant là. Alors si tu me parlais un petit peu justement de mindset, parce qu'on s'est beaucoup parlé de mindset euh, au travers des différentes questions, mais euh, pourtant aujourd'hui, le mindset de l'entrepreneur, musulman notamment, euh, bah c'est quoi ça représente quoi dans, dans sa vie d'entrepreneur justement euh, alors je vais, je vais casser une croyance c'est que pour moi le mindset euh, le mindset que tu peux voir sur Youtube ou Instagram en mode mmh. euh, en mode métaphore image c'est mmh. du bullshit tu vois. <laughs> euh, pour moi il faut du concret tu vois, ouais, parce qu'il y a beaucoup de la motivation, euh, il faut, faut avoir de la motivation, il faut te mm -hmm. motiver. Non, mm -hmm. pour moi, la motivation, déjà, c'est du bullshit parce qu'en fait, euh, tu vas être motivé, mais deux heures après, tu ne l'as plus et mm -hmm. tu ne vas rien faire. Euh, c'est plutôt une définition de la stratégie, voir son objectif, le bénéfice à l'atteinte c'est un travail interne qui est fort. Et oui, là, on rentre ça. dans le vrai mindset, tu vois. C'est ce que toi oui. tu proposes. Oui. Et ça, c'est du vrai mindset. On est sur du oui. concret. C'est pas juste sur un, sur YouTube. Tu vois beaucoup de vidéos de Dev Perso. Ça parle beaucoup de motivation. Et ça. en fait, tu te tu te comment on appelle ça Tu te tu fais une perfusion en vidéo YouTube à la motivation. Ça, mais bizarrement, euh, tu as passé trois heures à regarder des YouTube sur la motivation, mais tu es, ré... es sur ta chaise. Ouais, je Mais tu n'as rien fait, tu vas pas de la journée, ton bidon, il est, il est zéro. <laughs> Donc, euh, pour moi, c'est beaucoup lié. En, en, en tout cas, euh, avant, avant je n'étais pas, euh, en toute transparence, hein, je n'étais pas. Euh, alors, ce n'est pas la bonne expression, mais on va dire que. Je, je n'ai pas baigné dans la pratique de l'islam. Je n'ai pas eu d'explication de, de, mm -hmm. de mon père. Ouais, je voyais mon père salé, etc. Mais en tout cas, mm -hmm. ma famille à moi, ce n'était pas… Là, ça. Ouais, ça c'est culturel. Faire. Hein, pour la plupart, c'est ça. Hein, voilà, tu culturel, vois. Et, et, et donc, nous, il bah, y avait toutes ces croyances, tous ces trucs, le mélange des sociétés, le mélange de… Mm -hmm. euh, de, de, de... Les cultures. Des cultures françaises, etc. Donc, euh, tu t'y perds très vite, tu vois. Et au mm -hmm. fur et à mesure, bah, avec les années, tu grandis, tu apprends tes erreurs, mm -hmm. euh, tu t'intéresses à ta religion, tu, vois, tu mm -hmm. lis, etc. là. Et pour moi, le meilleur mindset, il est dans le Coran euh, il est dans le Coran et avec la compréhension du Coran et de la Sunnah. Donc, il n'y a pas mm -hmm. tout le monde qui a cette capacité. Il y a pas tout, des, des hadith, évidemment, mais il y a pas tout le monde qui a cette capacité, etc. C'est pour ça qu'il y a des mm -hmm. frères et des sœurs comme toi Allah, qui, mm -hmm. qui peuvent apporter cette vision du, on va dire du, du développement personnel. Comment je vais expliquer ça Du développement personnel. Euh... Spirituel, ouais, tu veux dire du développement spirituel. Ouais, mais plus pour, spirituel, pour en, différer, en fait. C'est ça, ça que je veux de dire. De individuelle. Mmh. Voilà, mais pas juste mmh. le dev perso que, voilà, que n'importe qui en mmh. ce moment est en train de faire parce que c'est à la mode, les gens, ils n'ont aucune expérience. Mmh. Non, je parle d'une vraie expérience dans le Mabalek comme toi. Mmh. Et derrière, on le ramène à, notre vraie, à nos vraies valeurs de musulmans. Et ça, les gens, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils vont acheter des, des, des programmes à Pierre-Paul Jacques. Le mec, qui n'est pas musulman, il ne comprend rien à nos valeurs, à nos pratiques. Et après, il s'étonne que. Et surtout, euh, bah... c'est un d'ésotérisme, de pratiques païennes, occultes. Voilà. Et là, mais, tu vois, il m'a parlé de faire ci, de faire un bisou à un arbre, de, machin, de, <laughs> de, 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 de mettre tel collier, tel bracelet. Tu vois, mais non, qu'est-ce que tu racontes, Arie qu Qu'est-ce que tu vraiment. racontes Arie, quand, quand tu ne connais pas, moi, je ne critique pas, quand tu ne connais pas. Machi Mouchkill, tu apprends tes erreurs, tu, ah, te je me suis fait et tu fais tes toi. pas. Hein, je me suis fait avoir aussi. Je me suis fait avoir. Comme tu dis, hein, euh, là, les accompagnements, etc., il y a 5, 6, 7, 8 ans, pas, ça n'existait pas autant. Voilà, Aujourd'hui, le coaching, c'est une pratique qui s'est répandue, l'accompagnement s'est répandu. répandu euh, et surtout, il n'y avait pas énormément de musulmans. Donc, euh, tu n'avais pas trop le choix pour te faire accompagner. C'était plutôt des personnes voilà, euh, voilà, qui n'étaient pas musulmanes. Et elles venaient avec euh, tous leurs devs perso et tous les, les ésotérismes qu'ils contient. Parce que eux, ça ne leur pose pas de problème. Ils n'ont pas, pas une croyance comme nous. Mais après, on va <laughs> faire le Là-dedans, et si toi, il hein, si y a, des, y a as des ambiguïtés dans ta religion, tu n'es pas hyper ancré, il y a des choses que tu ne sais pas, tu as des carences, tu as des lacunes, eh bien, Rajib, euh, le mélange derrière, il peut être explosif et il peut faire faire de, de, de grands dégâts sur ta, sur ta foi. Exactement, et, et détruire, détruire même. Euh même, on va dire, ton entourage, etc., parce que tu rentres dans des croyances et des pratiques un peu tous tu etc., vois. Sûr. Et, euh, et après, évidemment, bah, là, à l'au-delà, tu vas le payer, mais ce n'est pas, bon. pas bon. Mais en tout cas, voilà, moi pour moi, le mindset, pour nous, en tant que musulmans, euh, il doit être lié à la spiritualité. Alors, tu ne peux pas me parler de pratiques, de machin. ça doit... En tout cas, nous, en tant que musulmans, tout doit revenir... Au, au, au Coran et, et, et à la sunna du prophète. Wa oui, Donc, et, et, et évidemment, tout ce qui va avec, les hadiths, les, 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 les servants, etc. Mm -hmm. et, et, et avancer dans ce sens. Et pas tout mélanger parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Mm -hmm. Et, et c'est comme, regarde, je, je vais prendre un exemple dans notre cas, nous, en tout cas dans l'imou mm -hmm. même des imams, hein, des imams, hein, des imams mm -hmm. me disent il euh, y a la fatwa sur le crédit. Tu peux faire un crédit. Mm -hmm. Tu vois j'ai non, tu peux pas faire de. J'ai déjà eu des longs débats avec des, même des imams hein, à l'envers. C'est-à-dire mm -hmm. c'est une référence religieuse pour nous. Hein. Mais si tu peux, la fatwa, telle école, les conditions, c'est que tu habites dans un quartier, il faut que tu, tu veux l'abri de tes mm -hmm. enfants, tu machin. Et euh, en fait, j'ai beau expliquer que en France, mm -hmm. bon, déjà, alors, ceux qui, 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 qui en doutent, euh, pour moi, la fatwa. Elle, euh... Quel terme je peux utiliser euh, c'est pas d'actualité en fait. C est, c est, c est... Je, je, je voulais dire un truc, mais euh, mm -hmm. en fait, elle est, elle est inexistante. Elle n'est pas réelle. Mm -hmm. Ceux qui veulent la prendre en considération, prenez-la. Mais euh, voilà. Pour, non, après, euh, c'est voilà, hein. la, la responsabilité personnelle de chacun. La responsabilité de chacun, tu vois. Par exemple, moi, j ai, j ai, euh, étant plus jeune, j'ai fait l'ariba. Mm -hmm. Tu vois Mais je l'ai payé. Et en fait, c'est en grandissant, en pratiquant, en ayant un, 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 une recherche spirituelle personnelle, mm -hmm. profonde, etc. Mm -hmm. Que j'ai appris que c'était normalement interdit. C'est pour ça que je parle de la fatwa, tu vois. Mm -hmm. Que c'était non, en fait, qu'il n'y a pas d'excuse. Même le taux zéro officiel, c'est en fait de la riba. Euh, mm -hmm. et, et en fait, tu déclares la guerre à Rabbi wa et au prophète et, -sallam. Sal -sallam. Mm -hmm. et en fait, tu te dis, mais pourquoi j'ai autant de problèmes dans ma vie mm -hmm. eh ben, Parce mm -hmm. qu'à une époque, tu as fait de la riba. Donc Rabbi, là, il, est en train de, voilà, il, il te met des épreuves parce que tu as fait de la riba, tu avais déclaré la guerre, euh, et tu t'es repenti, tu ne fais plus. Mais c'est juste pour mettre en avant que. Euh, dans notre comité, il y a cette croyance qu'on va chercher l'herbe où elle est la plus verte. Si mm -hmm. Pierre-Paul Jacques mm -hmm. dit qu'on peut faire de la riba, bah vas-y, on fait de la riba, ce pas ma responsabilité. Mm -hmm. Mais on peut pas se désengager de ce qu'on fait. Euh, y, 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 on a tous une source commune. Mm -hmm. À nous juste d'être euh, honnête avec soi-même et d'appliquer ce qu'on sait et pas de se vendre du rêve, tu vois. C'est ça. Tu as, as, as très bien dit. Euh, est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais nous partager autour euh, du mindset de Comment est-ce qu'on le développe De euh, comment aller chercher justement aussi cette détermination, cette persévérance Parce que tu nous disais le, la motivation, tout ça, c'est du bullshit. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous partager autour de ça Comment est-ce que tu le cultives et l'entretiens toi au quotidien Moi, je le cultive en voyant le bénéfice à faire ce que je fais. Parce que c'est dur crame C'est dur. Sûr. Tu vois, les, les, les gens, en fait, ils voient que Instagram. Tu vois, mmh. bon, c'est pas mon genre, donc euh, il verra pas de Porsche <laughs> ou de Lamborghini, mais, euh, mais c'est assez facile sur Internet aujourd'hui. Je, je parle de ceux qui ont les moyens, je parle pas de les, de, des Bien loueurs sûr. de voitures pour, pendant une journée et qui font plein de stories. Mmh. Mais <laughs> là, il y, y en a certains qui sont en train de dire Ah, il y a des gens ils font ça sur Instagram. Moi, je croyais ah que ouais, tu m'as appris des choses là pendant l'after-work, pendant machin. Là. Vraiment, il m'en a appris de belles. Et, euh, mais tu vois, par exemple, ça, moi, c'est pas mon genre, et, mmh. et même. De plus en plus en grandissant, bah évidemment, je montre de moins en moins de choses. Parce que avant je pensais que c'était bien de montrer. Mmh. Et en mmh. fait, je me rends compte que plus. Il y a certaines choses que je montre parce que le but, c'est de motiver et de montrer à ouais, Hadoula que c'est possible. Mmh. Mais certaines choses que je ne montrerai plus jamais sur les réseaux parce que ça peut donner une envie, euh, créer une, une mauvaise attention ou euh, mauvais créer oeil. un complexe. Le un oeil complexe, aussi, frère de sœur, et évidemment. Tu vois, donc, euh, voilà. Mais moi, je dirais, c'est vraiment. En Fait de se définir une, un objectif, qu'est-ce qu'on va atteindre, tu vois. Mm -hmm. Et nous, là, au moins, il y en a plusieurs. Hein. C'est en général, c'est pratiquer, mm -hmm. bah, j'espère en tout cas, c'est pratiquer sa foi dans les règles ça. de l'art et, mm -hmm. euh, et aux bonnes heures, au bon moment, et de pouvoir éduquer au mieux ses enfants. Et derrière, de, de pour certains, pourquoi pas faire la hijra. Et en fait, quand mm -hmm. tu vas te lever tous les matins et que tu as cette vision de par exemple, si tu as des enfants, bah, Pouvoir leur offrir la meilleure euh, cursus scolaire, euh, pouvoir pratiquer ta foi. Le jour regarde, tu as parlé mm -hmm. tout à l'heure du jour -mois. Combien de frères ne peuvent pas y aller parce qu'avec le travail, ils sont bloqués Combien de frères mm -hmm. ne peuvent pas prier aux heures Combien de sœurs doivent mm -hmm. enlever le voile Elles acceptent parce qu'elles ne doivent pas. Elles acceptent d'enlever le mm -hmm. voile pour travailler, pour gagner de l'argent. Mais c'est le bisou, wa qui te donne ton risque. Donc pour moi, c'est vraiment le mindset c'est j'ai je, je, un objectif. C'est par mm -hmm. exemple, je, je te donne un exemple c'est faire, faire ma jira dans deux ans, dans mm -hmm. trois ans, dans cinq ans. Mm -hmm. Voilà. Et, et en fait, je découvre le travail que je dois faire pour l'atteindre et ensuite après c'est de la discipline il n'y a rien d'autre que de discipline. la discipline et du focus mais pour ça il y a un travail interne qui est énorme et à ce moment là bah, les gens qui veulent aller plus loin bah, ils peuvent directement euh, voir notamment avec toi tu vois pour travailler leur mindset et euh, lier évidemment encore une fois la spiritualité et aller chercher le mieux d'eux-mêmes ok bah, écoute je te remercie euh, parle-moi un petit peu plus de toi et euh, qu'est-ce qui se passe pour les mois à venir, peut-être du côté de Ethic Invest Est-ce que ça bouge Est-ce qu'il y a du croustillant on... qui arrive Raconte-nous un <laughs> petit peu ton actu. Balance-nous de l'exclusivité. <laughs> euh, alors, Ethic Invest, euh, euh, Ethic Invest, on fait des accompagnements on et on fait aussi des projets clés en main. Mm -hmm. C'est deux choses complètement différentes. Mm -hmm. et en fait, euh, en toute transparence, je me rends compte que là, au moins. Bah, je savais que la OMA elle avait beaucoup d'argent en lamont parce que nous, on verrouille à 70 000 pour l'accompagnement et à 130-150 000 pour faire un clé en main. Mm -hmm. Et en fait, euh, je me rends compte que j'ai beaucoup plus de clés en main que d'accompagnement. Tu vois La OMA donc, a non seulement Mubarak, du, à, Mubarak, tu tu du talent, mais aussi de l'argent. Ça fait de plaisir. L'argent la tu vois. Et, Contrairement euh... à ce qu'on pense. Non, non, Allah m'a a de l'argent. Moi, j'essaie même de casser cette croyance autour de moi ouais. que euh, la n'a pas d'argent. Ouais, pareil, vit je, je croyais sociaux, tellement de... ça avant, travailler, euh, avant de travailler avec la Ouma, je pensais aussi ça. Subhanallah, qu'Allah nous pardonne, mais vraiment, Allah, il a, il a donné le risque dans la Ouma. Vraiment, hein, c est, c est, voilà. si vous travaillez avec la Oumma et que vous pensez qu'il ne faut pas travailler avec l'aouma parce que la n'a pas d'argent, etc. Non, la Oumma, elle a de l'argent. <laughs> Alhamdulillah, ça, c'est parce qu'on regarde trop la télé. C'est la télé qui nous fait croire que nous, on dépend des, des services sociaux, Bien de l'assistance. Alors sûr. que là, qu on, on est capable et on peut s'entraider pour devenir une puissance, en tout cas dans ce pays, et Exactement. arrêter de passer à la télé pour que les mauvaises choses. Bon, en ça. tout cas, nous faire croire que c'est de notre faute plutôt les mauvaises choses. Pour aller plus loin... Euh... Ta phrase c'était euh, nous niche donc donc on est en train de voir pour développer un peu plus les clés en main parce qu'à la base c'était pas mon, mon 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 je fais ça depuis 2018 les clés en main mais c'était pas c'était pas vers ça que je voulais aller et on on est en train de voir pour développer les projets participatifs parce qu'encore mm -hmm. une fois bah, c'est quelque chose où les gens ils nous appellent ils disent ben bah, moi en fait j'ai pas et je peux pas avec mes proches, mmh. réunir les sommes nécessaires, mmh. euh, est-ce que je peux, euh, euh, avec évidemment un process euh, mmh. qui respecte la finance islamique, la, la juridiction, etc., française, mmh. euh, mettre à disposition mes 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 pour les fructifier, parce que je ne veux pas être propriétaire, je ne veux pas me former, je n'ai pas la somme totale, je n'ai pas le temps, etc. Et là, on est en train de voir pour développer ça. Ça, ça va arriver oh, fin d'année. Très intéressant, ça. Ça, ça va arriver fin d'année, quoi qu'il arrive, tu vois. Bon, quoi qu'il arrive, ouais. ça, ça arrive fin d'année. Euh, et, euh, et donc on serait les premiers parce que il y, mm -hmm. y, y a des confrères euh, qui ne sont pas musulmans qui essayent d'attirer mm -hmm. la communauté musulmane mais ben quand tu ah, regardes le process vu, hein. la, ils ont compris avant nous qu'il y avait de l'argent <laughs> euh, mais ouais. sauf que ça marche, pas, mais ça marche pas ça marche parce qu'il y a des frères et des sœurs bah, ils vont pas chercher euh, peut-être toute l'info mais Merci. dans la réalité ça respecte pas mm -hmm. la finance islamique c'est pas licite, mm -hmm. donc là le but c'est que nous on soit les premiers à le faire et après après, on développe la partie aussi pour le Maroc et Dubaï, mmh. pour ceux qui, qui correspondent à leur stratégie. Encore une mmh. fois, c'est du cas par cas. Bien sûr. Et après, bah, l'objectif, de toute façon, c'est toujours d'être soit la cause. Fait sa là, évidemment, mmh. euh, à la au main pour qu'elle puisse casser des croyances et passer mmh. à l'action. Mmh. Soit vraiment prendre euh, la partie de la au main qui veut, qui veut travailler avec moi, avec nous, mmh. et l'aider à s'émanciper à travers l'immobilier, que ce soit en France, à l'étranger, et pourquoi pas être la cause de son, de, 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 de son développement spirituel, de, son, de, 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 de sa disponibilité de temps pour pratiquer, voir sa famille, Chabana. voyager, etc. Tu vois, en tout Alors, cas, ce serait que... le but. Mmh. Magnifique, magnifique. Un petit mot de la fin, Rachid, avant de se laisser, on arrive au terme de cet épisode. Euh, bah déjà, je voulais te remercier. <rire> <rire> euh, le petit mot de la fin, bah, c'est ce qu'on a répété depuis le début, c'est euh, faites les causes, passez à l'action, investissez en vous. Et, euh, et en fait, la seule limite que vous, que, que vous allez vous mettre, c'est celle que vous acceptez que la société, votre entourage vous met. Parce que ah. Rabbi tout est déjà écrit. Si mmh. vous ne faites pas les causes, vous saurez jamais de quoi vous êtes capable, vous ne saurez jamais jusqu'à où vous pouvez aller. Euh, et donc, il faut juste passer à l'action. Pour moi, il y, y, y a que ça, en fait. Euh, S'entourer des bonnes personnes, parce que ça, c'est primordial. Quand mmh. tu es tout seul, c'est très dur. S'entourer des bonnes personnes qui peuvent vous aider à scaler euh, mmh. et avancer et, et faire les causes. Ne pas attendre que les choses viennent, parce qu'on on, on doit viser l'excellence en tant que musulman et connaître toutes les séries qu'il y a sur Netflix et tous les ragots sur Pierre-Paul Jacques, mmh. ça ne nous sert strictement à rien. Et en tant que musulman, on... si on s'associe dans le sens mm. euh, s'entraide, mm. on peut avoir un impact énorme. Et il ne faut pas juste attendre le Ramadan, l'Aïd, des mm. événements catastrophiques, comme il y a eu par exemple en Turquie, en Syrie, etc. Sûr. Ou mm. Ryan par exemple au Maroc. Il y a mm. plein d'événements mm. tous les jours dans le monde. Mm. Et on est là, on s'entraide à le balak. On, en on mm. peut vraiment s'entraider, tu vois, et avancer. En tout cas, c'est ma vision. Je pense que oui, l'humain, il doit revenir au centre et on doit s'entraider pour avancer. Magnifique, alhamdoulilah. Bah, écoute, je te remercie pour cette conclusion. Euh, pour ma part, bah, j'ai apprécié cet échange. Vraiment, c'était très très beau, un très très beau moment. J'ai hâte euh, qu'il qu sorte cet épisode et qu'il soit écouté et que surtout que vous en preniez de bonnes notes parce qu'on vous a partagé des pépites dans cet épisode. Donc n'hésitez pas à l'écouter, le réécouter, à le partager. Pour ma part, il me semble que bientôt on va nous voir ensemble, Inchallah, pour autre chose. Donc je vous laisserai Inchallah découvrir sur les réseaux sociaux de Rachid euh, comment est-ce que vous allez pouvoir nous retrouver de nouveau. En tout cas, personnellement, je garde un œil sur ton travail parce que j'aime beaucoup ce que tu fais et euh, les pépites que tu nous as annoncées l'avenir euh, du côté d'Ethic Invest, ça a l'air hyper intéressant. Donc, hâte de voir ça. Karl Hamed Sabaraka, en tout cas, dans chacun de tes projets, et te remercie pour, euh, et ah, te récompense pour le bien temps bien que bien. tu nous as donné euh, ici aujourd'hui. Je sais que tu es très, très occupé. Pour ma part, tu m'as donné envie d'aborder un sujet la semaine prochaine sur l'épisode qui sortira. On parlera d'éthique, justement, dans l'entrepreneuriat. Je vous laisse ici pour l'épisode du jour. Pensez à vous abonner, à noter cet épisode, à le commenter, surtout à nous dire ce que vous en avez pensé à l'un et à l'autre. Très belle semaine à vous. Assalamu alaikum wa wa